La ferme Kitokofu de l'un des plus grands projets agricoles en République démocratique du Congo, visant l'autosuffisance alimentaire de la population de Kinshasa et de ses environs, est en train de voir le jour. Financée à hauteur de 12 millions de dollars américains par la fondation Famille Gettler, ce projet qui va s'étendre aussi dans d'autres provinces du pays commence par la ville de Kinshasa. C'est ce qui explique la visite dans ce site du numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kiboutayango. Il vient de me prouver que les Kinoises et les Kinois, dans un temps très bref, auront de quoi à manger. J'en profite pour féliciter l'initiateur, qui n'est rien que M. Dande Clerc, que tout le monde connaît, qui est dans les mines au Katanga, qu'on critique souvent, mais qui vient de prouver qu'il est dans le social. Et quel social? Vous savez que ventre affamé, point d'oreille. Non seulement qu'ils vont donner à manger à la population quinoise, mais en plus c'est une académie qui va s'ouvrir ici, où on va apprendre aux quinoises et quinois intéressés par l'agriculture à faire la même chose. L'exécutif provincial a eu droit à toutes les explications possibles sur l'aménagement de ces sites de la part des responsables de la ferme Kitoko Food. À la population du village Massaba 2, bénéficiaire directe de ce projet, le premier citoyen de la ville de Kinshasa lui a demandé d'être elle-même la gardienne de cette œuvre afin d'éviter le vol de matériel et autres.